Welcome to Raw. Ce soir, la route de WrestleMania continue, un épisode où l'on attend beaucoup de choses. Les rivalités continuent, bien sûr, la tension monte et John Cena est de retour en main event. Et on commence l'épisode avec The Raw Women's Champion, Becky Lynch est dans la place. Notre championne de Raw arrive et elle va certainement affronter sa rivale de WrestleMania, son adversaire de WrestleMania. Nous sommes là bien évidemment pour cet épisode. N'hésitez pas à réagir en commentaire à cet épisode, à le commenter, à le partager avec le hashtag WWEWRAW. Et oui, bien sûr. Oh, les huées. Les huées pour la gagnante du Royal Rumble 2023. Rhea Ripley. And from Adelaide, Australia, Rhea Ripley. Rhea Ripley est dans la place ce soir. Les deux s'affronteront lors de WrestleMania, sauf que le titre sera bien sûr en jeu. On rappelle que lors du dernier épisode de Raw, Rhea Ripley a battu Becky Lynch. Ce soir, match revanche entre les deux. Est-ce que Becky va réussir à reprendre le dessus sur la gagnante du Royal Rumble, celle qui monte petit à petit et qui, on l'espère, hein, même si on aime bien Becky Lynch, mais on espère que Rhea Ripley va remporter le titre de Raw lors du plus grand show de l'année, WrestleMania. En tout cas, on a déjà un affrontement entre les deux ce soir, donc il faut en profiter. Les fans qui scandent Rhea's gonna kill you. Pas très sympa pour Becky. En tout cas, le match est parti. Et ça commence fort de la part de la championne. Et oui, on lui étire le bras, c'est important de s'étirer. Becky Lynch, oh, bien effectué. Oh, la descente du genou. La Ripley, oh, regardez comment elle étrangle. Et Becky qui contre et qui réussit à s'échapper. La Ripley, non, ça passe pas. Becky qui réussit encore à s'esquiver, à s'échapper. Oh oui. Oh non, elle s'est échappée, Rhea Ripley. Oh, elles sont fortes. On
rappelle que John Cena sera de retour à Raw ce soir en main event. Il a lancé un Open Challenge. Et c'est surtout que plus tôt dans la journée, c'était même dans la matinée, Brock Lesnar a tweeté en disant « Je te lance un challenge, John Cena, je te veux à WrestleMania ». Alors est-ce que Brock Lesnar va répondre à cet Open Challenge ce soir? Les probabilités sont fortes hein, quand même. Et Rhea Ripley qui se dégage. Oh, le pinfall. 1, 2. Et le coup de pied sur l'arrière de la tête. Oh là là, oh là là, oh la soumission de Rhea Ripley. Non Becky, il faut pas abandonner. Ne tape. Voilà, c'est bien ça de la part de la championne. Qui ne se laisse pas faire. Cette fois, Raw Women's Champion Becky Lynch. Elle a tout fait. Hein. Elle a clairement tout fait. Oh, le coup de pied. Il est tombé. 1, 2. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas pour battre la challengeuse. Et non, et non, et non. Et Rhea Ripley qui pour l'instant s'en sort très bien. Allez, 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 elle revient, oui. Elle a réussi à la remettre au sol. Du coude, le crossface pour couper un petit peu la respiration de l'adversaire et elle s'échappe et à Ripley. Projection en arrière. Allez, ça va passer. 1, 2 et 3. Becky Lynch. Becky Lynch qui prend la victoire. Ça va passer et c'est passé. Bien joué à Becky, qui contrairement au dernier épisode cette fois-ci s'impose face à Rhea Ripley. Un partout donc, la balle est au centre. On aura certainement d'autres affrontements entre les deux d'ici WrestleMania, qui est dans moins d'un mois maintenant. Ça y est, on y est, dans moins d'un mois. C'est le plus grand show de tous les shows. Et Rhea Ripley qui permet à Becky Lynch, volontairement bien sûr, de gagner. Et bien parfait. Parfait, parfait. Becky, allez. La même à WrestleMania. Et la fanbase sera la plus heureuse. Et on accueille Damage Control. Bayley, NXT Women's Champion, Dakota Kai et Io Shirai. Elles sont là. Introducing the challengers, accompanied by Bayley, Dakota Kai, and Io Shirai.
C'est un match pour les titres par équipe féminin, ça a été annoncé cet après-midi. Damage Control affronte encore une fois les championnes par équipe féminines de la WWE, qui sont Xia Li et Shotzi, qui est également la SmackDown Women's Champion. Bonne chance aux championnes. Damage Control et Control les a déjà battues, mais elles ont réussi à reprendre les titres très rapidement. Et voici la première moitié des championnes par équipe, mais surtout la SmackDown Women's Champion. Celle qui affrontera Liv Morgan à WrestleMania. And introducing the champions, first from Oakland, California, she is one half of the Women's Tag Team Champions, Shotzi. C'est Shotzi. Elle est montée en puissance, Shotzi. Depuis qu'elle a fait ses débuts, c'est incroyable. Elle monte. Et ben voilà. Aujourd'hui, elle est au sommet de la WWE. Championne en solo, championne par équipe. Pour l'instant. Peut-être que ce soir, tout va changer. En tout cas, ça fait plaisir de voir ses titres défendus ce soir à Raw. Ils le seront certainement lors de WrestleMania également. Reste à savoir face à qui. Et qui va les défendre surtout. Qui va repartir championne ce soir entre ces deux équipes. Attention à Bayley. La dominante de NXT qui est bien sûr très tricheuse hein, ces derniers temps, ces dernières années. On est passé à une Bayley aussi dominante et voire même incroyablement dominante avec un règne de championne de SmackDown inégalable. Et l'autre moitié des championnes, elle nous vient de Chine. Ya! Xia Li. From Chongqing, China, she is one half of the Women's Tag Team Champions, Xia Li. Et oui, Xia Li est dans la place. Elle est là ce soir pour défendre ses ceintures avec sa coéquipière Shotzi. On aime bien Xia Li. Moi je dis Xia Li future championne solo. Hein. Retenez bien ce que je dis. Ça va arriver. Et pourquoi pas même. Allez. Dans un scénario un petit peu fou. Shotzi conserve le titre à WrestleMania face à Liv Morgan. Et Xia Li, sa coéquipière, lui dit bon c'est bien mais je veux t'affronter. Ah. Ce serait pas mal. Ses ceintures sont en jeu. Dakota Kai commence face à Shotzi. Et la championne qui commence fort. Elle l'a relevé. Dakota Kai. Et qui se fait avoir avec des coups de coude. Projection, attention. Oh, le dropkick dans le vide. Coup de poing de Dakota. Nous, on est team Dakota Kai, on va pas se mentir. Très
très très fan de Dakota Kai, qui est un talent sous-coté pour moi. Oh, et Xayali. Et le tag est fait avec Io Shirai, ancienne NXT Women's Champion. Damage Control, les trois ont été NXT Women's Champion. Bailey l'est actuellement. Les trois ont dominé NXT pendant une période. Et ça fait plaisir de voir cette équipe Damage Control créée. Et Xayali. Oh, Xayali qui s'attaque à Bailey en plus. Non mais. Non mais c'est bon, c'est terminé là. Concentre-toi sur ton match. Les titres sont en jeu. En plus, Bailey n'avait rien demandé. Bah voilà, elle se fait avoir. Et c'est bien fait pour elle. Oh, Io Shirai, 1. Hein, ce serait bien qu'on ait de nouvelles championnes ce soir. Hein. Ouais, ce serait bien. Oh, le body slam. Changement est fait avec Shotzi. C'est une louve. Mais surtout actuellement une double championne. Qui aurait pu imaginer ça en 2023 que Shotzi détiendrait deux titres en même temps? Que fait-elle? Que fait-elle? Attention! Aïe aïe aïe! Elle s'est loupée, elle se loupe trop, trop! Oui. Oh, ça c'est très vicieux. Le tag est fait avec Dakota Kai. Qui ça qui se fait huer complètement, Dakota Kai. Les fans ne comprennent pas que c'est une excellente catcheuse. Oh là 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 là. Elle lui a planté le crâne dans le sol. C'est bien de Dakota. Allez, allez, la victoire. 1, 2. Et non, toujours pas. Come on. Io Shirai à nouveau. Projection. Neckbreaker de Shotzi. Et le tombé. 1. Ah, c'est encore trop tôt pour espérer une victoire. Oh là, qu'est-ce qu'elle fait? Oh, oh, ça fait mal ça. Oh, oh le facebuster. Coup de genou de Xayali.
2 et 3 WWE Women's Tag Team Champions. Xayali et Shotzi conservent ces titres. C'est parfait. Bien joué. Bien joué. Voilà, on aurait aimé. Moi personnellement, j'aurais aimé de nouvelles championnes. C'est un beau match. C'est un beau match par équipe quand même. Bien joué à ces deux lutteuses. Eh oui, Shotzi a toujours donc ses deux ceintures, mais le projet le plus important pour elle, c'est conserver le titre féminin de SmackDown face à Liv Morgan. Le projet Liv Morgan, bien sûr, pour WrestleMania. Et Sami Zayn, oh, what? Non! Et c'est Reigns! Mais pourquoi? Mais what? Non, 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 Roman Reigns qui attaque Sami Zayn, mais non! Oh là là, oh la sécurité, mais oui, mais dégagez-le! Il a complètement pété un plomb, il a complètement pété un plomb ce type. Et Seth Rollins, c'est déjà sur le ring. On le sait que Sami Zayn a fait un tweet. Plutôt dans la... Oh! Le topé suicida de Rollins! Sami Zayn a fait un tweet en disant: vous voyez, Reigns il a passé à tabac sa propre famille. Oh mais le match n'a toujours pas commencé et il se fait latter la gueule par Rollins. Ah, ah bah oui, bah là non. Et donc pour revenir au tweet de Zayn, il a clairement dit: Roman Reigns, get the fuck out. Dégage de la Reigns. Sami Zayn a officialisé donc en disant ça qu'il ne fait plus partie de la Bloodline. Et du coup, eh ben, apparemment Roman Reigns n'a pas vraiment apprécié les propos et il a encore passé à tabac Sami Zayn. Un. Et non, dégagement. Et le match a donc commencé entre Zayn et Rollins entre temps là. Attention, il contre, Rollins, c'est bien fait. Coup de pied. Et la souplesse arrière, oh là 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 là. On rappelle qu'au dernier épisode, Sami Zayn s'est fait latter la gueule avec Jey Uso aussi. On rappelle que si vous n'avez pas vu ce segment, la punition de Roman Reigns, et ben c'est ce qui a mené à... ce qui s'est passé avant ce match. Oh là 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 là, Rollins. C'est trop. Rollins, le coup de chute. Non mais il est fini là. Déjà il commence le match, il est même pas à 100% de ses capacités. Et Rollins qui a juste à enchaîner. Non mais ça va? Mais non mais. Oh là. C'est un complot. Rollins fait partie de la Bloodline là, c'est pas possible. Oh, il va faire le curbstone. Ah non. Oh là 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 là. Non mais Sami Zayn est foutu là. Là là, c'est fini. C'est fini. 1, 2. Et non, mais what? Non mais Sami, en toute honnêteté, il vaut mieux perdre.
Laisse-toi perdre parce que je pense que t'as assez souffert entre le dernier épisode et ce qui vient de se passer aujourd'hui. Et il se défend, hein, Sami. Allez, oh, oh, si Sami Zayn arrive à remporter ce match. Oh là là, il va. Et écoutez les fans. Olé, oh, le Elova kick. Non, impossible. 1, 2. On y a clairement cru. Oh là 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 là, magnifique. Fight forever. Sami Zayn, la rage de vaincre. Curb stomp. 1, 2, et 3, victoire de Seth freaking Rollins. Eh oui, mais bien sûr. Et ça semble logique. Ça semble totalement logique. Victoire de Rollins, mais Sami Zayn a quand même, il s'est quand même un petit peu défendu. Mais c'est moins d'être fini entre Zayn et le Tribal Chief. Seth Rollins qui pour l'instant n'a aucun plan pour WrestleMania. Où va-t-il se diriger? Sera-t-il à WrestleMania? Telle est la question pour l'instant. La réponse est non. Mais on a encore le temps. Et on accueille Damien Priest et les autres. Making his way to the ring from Bray, County Wicklow, Ireland, weighing in at 190 pounds, the WWE champion, Finn Balor. The Judgment Day, Rhea Ripley, que l'on revoit ce soir. Damien Priest, Masked Man, que l'on voit au fond. And the undisputed WWE Universal Champion, Finn Balor. Eh oui. Le clan dominant de la WWE est là ce soir. Et qui va-t-il affronter notre Finn Balor? Oh là là! L'avant-goût de WrestleMania! Le main event de WrestleMania en avant-goût! On accueille le gagnant du Royal Rumble 2023. Non, ce n'est pas un kebabier. C'est bien un écossais. C'est un joli rime, ça. Drew McIntyre. Il est là. McIntyre contre Finn Balor à Raw ce soir. Mettez le feu
Sur cet épisode, on a eu Becky Lynch, Rhea Ripley, match de WrestleMania. On va voir Finn Balor contre Drew McIntyre. C'est un WrestleMania avant l'heure, hein, clairement. C'est beau. Non, mais il faut le dire, c'est beau. C'est beau. Je veux que Drew McIntyre gagne. Et on est parti pour ce match. Allez! Et Finn Balor qui commence fort. Hein. Du côté du Judgment Day, attention, ils peuvent intervenir aussi. Les trois là. D'ailleurs, où est Rey Mysterio? Pourquoi il n'y a pas Rey Mysterio? Parce qu'on sait que son dernier tweet là, il est un petit peu bizarre. Il n'y a pas Rey Mysterio qui accompagne le Judgment Day, qui accompagne le champion. Comme c'est étrange. En tout cas, il y a un autre luchador, il y a le Masked Man. On sait toujours pas qui il est, on sait toujours pas ce qu'il fait là, mais il est là, et ça, c'est important. Finn Balor, oh Finn Balor, la soumission sur Drew. Les deux se connaissent tellement bien l'année dernière, ils se sont affrontés à trois reprises, il me semble peut-être même plus. Mais c'était l'année dernière, entre-temps, un est devenu champion indisputé et l'autre a gagné le Royal Rumble. Nous aurons ce match en main event de WrestleMania. Alors je ne sais pas sur quelle nuit, hein. Je pense que ce sera la deuxième nuit. Attention à ne pas intervenir, hein, monsieur Damien Priest. Oh, McIntyre qui provoque le bon Finn Balor et c'est encore à l'extérieur entre les deux là. Et ça contre, chacun contre là. On n'a pas un qui arrive à en placer une. Et la projection. Attention à ne pas intervenir. Et McIntyre qui narque. Attention, Rhea Ripley. Rhea Ripley qui remet McIntyre dans le ring. Non, mais de quoi je me mêle? Oh. Forcément, Balor en profite. Un, deux, et dégagement. Et Balor qui s'attire les foudres. Il a un filet de bave dans la bouche en plus, Balor. C'est beau. Oh là là, magnifique. Quelle agilité, quelle force. Un, deux. Hey, on n'est pas passé loin de la victoire. Fight forever. Alors, coup de grâce. 1, 2, 3. Non! Il s'est dégagé. Il s'est dégagé, mais non, mais c'est pas possible. Allez, 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 la soumission. Oh, il le plie en deux, là, la souffrance. Et il abandonne. Oh! Et victoire de l'Undisputed WWE Universal Champion par soumission. Alors c'est un gros
gros signe. Balor peut battre Drew McIntyre par soumission. Attention, parce que bien sûr, on le sait, c'est le main event de WrestleMania et ça fait 1-0 pour Finn Balor. Aïe, pas bon, hein. Ah, c'est pas bon du tout. Pas bon du tout. Ça commence très mal, très très mal en tout cas. Finn Balor remporte ce match. Bien joué en tout cas. Pas d'intervention de la part des autres membres du Judgment Day. Et on a peut-être déjà un avant-goût de ce que sera la fin du main event entre ces deux hommes. Est-ce que Balor va réussir à conserver au show des immortels? C'est notre avant-dernier match de la soirée. Shayna Baszler est là. Match Fatal 4-Way apparemment. D'accord. Ben, ça peut être très bien ça, un match Fatal 4-Way féminin. On est là en tout cas. Let's go. Let's go Shayna Baszler qui, on rappelle, l'année dernière est arrivée à WrestleMania en tant que championne de Raw et elle est repartie de WrestleMania en tant que championne de Raw. Et oui. Et oui, tout simplement. Elle est là. Alors qui vont être les autres participantes à ce match? Et on accueille. Oh là là, cette musique d'entrée est tellement bien. Deuxième participante, Sonya Deville. Or, ce match Fatal 4-Way, à mon avis, n'est pas là au hasard. Hein. La gagnante, à mon avis, aura un avantage dans le futur. Ah non, mais Sonya Deville, mesdames, messieurs, je peux vous dire que sa musique d'entrée, elle est vraiment pas mal. Elle est vraiment pas mal. On aime beaucoup. Ah, 2023, il faut que Sonya Deville arrive à choper un titre de Raw là. Elle a pas réussi l'année dernière, mais en même temps, elle a affronté Becky Lynch et Ronda Rousey. Non, il faut qu'elle gagne. Il faut qu'elle gagne. Oh! Le retour! Et oui, le retour de Carmella, ça fait quelques semaines maintenant qu'on ne l'avait pas vu. She's bad, Carmella est de retour. Let's go! Et ben voilà, ça fait plaisir, elle est de retour. Miss Mella, Mella is money. Ah oui! Carmella is back. Et oui, bah, il était temps, hein, il était temps. Et si on retrouvait les women's qui ont cherché ou ont été championnes d'Euro l'année dernière? Pour l'instant, on a Shayna Baszler, elle a été championne d'Euro. On a Sonya Deville, elle a cherché à l'être. On a Carmella, elle a cherché à l'être aussi. Donc logiquement, la quatrième participante serait... Ah, je sais que vous l'avez. Vous l'avez. On l'a tous. Eh oui, bien sûr. Bien évidemment. Ancienne championne de Raw, the baddest woman on the planet, Ronda Rousey. Beach, California, the baddest woman on the planet,
Ronda Rousey qui arrive, mais pas sous les acclamations à fond. Hein. Que se passe-t-il là? Que se passe-t-il? Elle est huée de la part des femmes ce soir, des fans ce soir. Bon, on est Team Carmella ici, hein, on vous le dit, soyez prêts. C'est parti, Carmella ou Sonya Deville. Mandara aussi s'occupe de Sonya Deville et on rappelle que... Alors je ne sais plus, je crois que c'est Sonya Deville. Non, c'est Shayna Baszler, elle était accompagnée de Ronda Rousey. Ouais, c'est ça, lors du dernier épisode de Raw, donc les deux, on dirait qu'il y a une certaine alliance. Voilà, ça reste un Fatal 4-Way, donc c'est chacune pour soi. La première qui réussit à tomber remporte le match. Oh, les enchaînements là qu'il se prend, Ronda Rousey, elle est à 2 à l'ouest. Oh, Sonya Deville, la puissance. Tandis que Carmella se fait détruire le bras par Shayna Baszler. Oh! Carmella est dehors. Baszler s'attaque à Sonya Deville. Et maintenant à son ancienne amie et peut-être nouvelle à nouveau amie, Ronda Rousey. Les deux s'affrontaient à WrestleMania. Ben oui, elles s'étaient affrontées à WrestleMania. D'ailleurs, les mots étaient crus à Shayna Baszler. Elle avait dit à Ronda Rousey, je vais t'envoyer à la maison, comme ça tu pourras t'occuper de ton enfant et être une bonne mère, un truc comme ça. C'était des mots crus. Violent entre deux potes. Peut-être que l'eau a coulé sous les ponts. Pas ce soir en tout cas. Oh. Carmella se fait latter la gueule pour son retour. Oh, Spinebuster. 1, 2. Allez, Sonya Deville sur Carmella. Ben, c'est Shayna Baszler qui s'occupe de Deville maintenant. Et de Ronda Rousey. Oh ben, elle a dégagé. Soumission Carmella, mais qu'est-ce qu'elle fait? Et nous sommes à Deville qui se dégage. Oh, coup de guillotine. Ronda Rousey. Oh, Ronda Rousey, attention. Oh là là, et c'est peut-être terminé si personne ne vient casser le tombé, qu'elle va faire? Oh bah. Eh oui. Oh là 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 là. En temps normal, on aurait dit Ronda aussi gagnante, mais ça va être compliqué.
Oh, la soumission. Attention. Attention. Et Sonya Deville qui casse. Bon, Carmella prend extrêmement cher pour son retour ce soir. C'est pas cool là. Oh, il y a des soumissions, il y a de la soumission là. On rappelle que juste après, on aura le main event et le retour de John Cena qui lance un open challenge. 1, 2 et 3, victoire de Shayna Baszler qui a réussi le tombé sur Carmella. Ouais, bah oui, il fallait avoir les yeux partout concernant Sonya Deville et Ronda Rousey qui était occupée à côté. L'erreur, forcément. Peut pas être partout et pourtant il aurait fallu être partout, mais c'est une victoire de Shayna Baszler qui prouve encore hein, qu'elle est dominante, puissante et très maligne. Mais oui, pour ça on le savait, et l'important c'est de le prouver encore. Shayna Baszler et gagnante. Et c'est l'heure du main event comme prévu. On accueille le retour. John Cena est là. Celui qui avait également lancé un Open Challenge à Elimination Chamber. Cena is back. Il avait perdu à Elimination Chamber face à Bobby Lashley. Ce soir, qui va répondre? Les rumeurs parlent beaucoup d'un Brock Lesnar. Lesnar a lancé un challenge à Cena pour WrestleMania. Est-ce que pour venir le convaincre, il va venir l'affronter ce soir? Ou pas? En tout cas, il est là. La star hollywoodienne maintenant. Hein, c'est Monsieur Peacemaker. Et Monsieur Fast and Furious aussi, entre autres. Et non, ce ne sera pas Brock Lesnar, mais ce sera Austin Theory. Lui qui était fan de John Cena étant plus jeune, il fait son rêve ce soir. Il affronte son idole de l'époque. Hué par les fans, mais c'est un match de rêve un peu là. Idole contre fan, et surtout que Austin Theory est une star montante. Hein. Il avait déjà prouvé par le passé, par ses débuts, ancien champion des États-Unis. Là ce soir, en main event de Raw, il a la chance, l'opportunité d'affronter John Cena. Lors des 30 ans de Raw, il avait affronté et battu le Tribal Chief Roman Reigns. Donc autant vous dire que si j'étais vous, je mettrais quand même une petite pièce sur Austin Theory qui a toutes ses chances. Et c'est parti. On rappelle que John Cena est sur une série de défaites quand même depuis SummerSlam 2022. Il avait perdu face à Finn Balor. Ensuite au Royal Rumble, il a perdu. Elimination Chamber, il a perdu face à Bobby Lashley. Bon. On va voir ce soir. En tout cas, Austin Theory qui ne montre aucune passion pour John Cena. Il va prendre de la hauteur, Theory. Trop près, tu vas te faire mal.
Oh, le dropkick, ça a touché la cible. Il enchaîne. Oh, la technique. Un. On rappelle qu'après le match Elimination Chamber et sa défaite, c'était Brock Lesnar qui était venu attaquer Cena avec un F5 sans la moindre raison. Allez, Cena réagit un petit peu là. Oh, la belle esquive. Et le backbreaker. Se fait huer Austin Theory. Descend du coude. Theory qui va se relever. Réussir à s'échapper des griffes du Doctor of Tagonomics. Ouh oui. Running neckbreaker. Deux. On n'est pas passé loin de la victoire d'Austin Theory. Il peut le battre, hein, on le sait. Hein. Theory a clairement toutes ses chances. Oh, l'esquive. Et c'est fait attitude à judgment. 1, 2, et 3. Non. Et non. Allez, you can't see me, et le 5 knuckle, et bim, allez, attitude, non, non, il contre avec des coups de théorie, ah bah là il s'est fait bloquer, oh my god, powerbomb magnifique, oh là là, quel contre qu'il vient de faire Cena. Tomber. 1, 2. Eh oui. 1. Mais what? Théorie. Magnifique. Ça peut le faire. 1, 2. Et non! C'était proche, c'était très très proche. Alors là. Et le break. Ah, terrible. Il va le finir. Terminé. C'est fini. 1, 2 et 3. Austin Theory qui inflige une quatrième défaite à Cena d'affilée. Austin Theory vient de battre John Cena. Waouh. Alors ça, que se passe-t-il avec John Cena qui ne gagne plus rien? Il lance des open challenge, mais il les perd à chaque fois. Ça fait le deuxième d'affilée. Il est foutu. La nouvelle génération prend le dessus ce soir pour terminer cet épisode de Raw.